Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on fait notre première inspection de l'année. La ruche qui vient de l'année passée, qui a passé l'hiver 2021-2022. Bon visionnement à tous! On va d'abord laisser savoir aux filles qu'on s'en vient. On va y aller doucement, c'est la première fois cette année qu'on les inspecte. Fait qu'on va y aller doucement. Très, très collé par la propolis, ce qui est normal après l'hiver. Un petit boucan pour les laisser savoir qu'on s'en vient. Oh, regardez-moi ça, une belle ruche en santé. Pleine d'abeilles, très forte, semble très forte. On va aller voir s'il y a une reine dans cette ruche-là. Puis, je vous le dis tout de suite, ça va être dur à décoller les cadres. La ruche semble calme. On est le 9 mai 2022. C'est la première fois cette année qu'il fait assez chaud pour qu'on puisse ouvrir la ruche. Pas tout à fait normal les autres années. C'était bien avant ce temps-là qu'on était capable d'ouvrir les ruches. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de propolis. Voilà, on va sortir le cadre. Beaucoup de sirop. De ce côté-ci, du pollen, du sirop. Des larves de faux bourdons. Oh, j'ai arraché des larves malheureusement en sortant le cadre. Des larves qui vont mourir. Majoritairement des larves de faux bourdons. Voilà, malheureusement, en autant le cadre, là, ça a tué des larves. On va mettre ça sur le côté ici. On va se faire de la place pour travailler un peu. La ruche est très calme. Les abeilles ne sont pas agressives. Ça semble pas l'être. Qu'on voit ici, majoritairement c'est du pollen. Et du nectar. Donc du pollen et du nectar. Les pissenlits sont sortis. Donc c'est normal qu'on commence à voir ça. Il veut rester aussi un peu de sirop. De l'hiver, je leur laisse, ils vont le manger. Oh my God! Wow! Des larves, du couvain, beaucoup de couvain, beaucoup de bébés abeilles. Vous voyez, c'est recouvert pratiquement en majorité par les abeilles, mais c'est tout du beau couvain. Du beau couvain flambant neuf. Même chose à cette côté-ci. Du pollen ici. Du couvain dans le milieu. Des bébés abeilles recouverts. Quelques larves.
très bien. Très satisfait jusqu'à date. Là. La ruche semble très forte. Puis, l'été passé, cette ruche-là était extrêmement agressive envers moi. Donc, je suis content. Ils ont l'air beaucoup plus calmes. Allô, cocotte? C'est cocotte qui vient explorer. Allez! Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a du pollen, des œufs. Oui, on a des œufs. Donc, on a une reine pondeuse. Super! De ce côté-ci, du pollen, d'autres œufs. Donc, notre reine n'est pas loin. Faux bourbon, juste éclairer un petit peu ce cadre-là. C'est quelque chose que je veux voir. Je crois qu'on a des cellules royales qui sont occupées par des larves. Non, simplement deux cellules royales. Deux cellules royales juste ici que je vais enlever. J'ai une reine qui pond. J'ai pas besoin qu'ils fassent une autre reine. Ou qu'ils essaiment. Donc on va remettre ce cadre ici. Donc, on va aller voir le prochain cadre. Qu'est-ce qu'on peut voir? On est dans le milieu de la ruche. Ça devient intéressant. Pour ce cadre-ci, on a des œufs, des larves et du couvain. Du pollen dans les côtés. L'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Les faux bourdons sont déjà sortis, ce qui est bien. On a des œufs. De ce côté-ci, on a des œufs, des larves, du couvain, du pollen. On a un peu de tout ici, là. Un beau cadre là, de ponte, là. On a une bonne reine, elle pond bien, c'est l'important. Donc, j'ai continué l'inspection, je vais vous éviter de passer au travers de l'inspection au complet parce que ça dure 30-35 minutes au complet. Là. J'ai continué l'inspection, trouvé beaucoup de couvains, trouvé des œufs, j'ai pas vu physiquement ma reine, mais je sais qu'elle est là, je sais que j'ai une reine pondeuse, j'ai une ruche qui est très forte, qui est très en santé, et je vais devoir ajouter une hausse sur cette ruche-là, car tous les cadres sont pleins d'abeilles. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément, et à la prochaine!